Namaste, je suis Aniruddha Pradyumnakan Dare du Conservatoire indien de Paris qui est joyeux de vous présenter Amarokosha, le dictionnaire sanskrit. Super, Sanskritam, samedi. Médecine en Sanskritam. Quels sont les défauts d'un sommeil régulier? Ratrau jagaranam ruksham snigdham prasvapnam diva arukshum anabhishyandatvasi naprapalayitam. Se réveiller dans la nuit provoque une raideur dans le corps. Dormir pendant la journée provoque un relâchement dans le corps. Dormir pendant la journée, mais en position assise, n'aura aucun effet sur le corps. Vipralambho visamvado ringanam skhalanam same syanidrashayanam swapas swapna samvesha ityapi. Vipralambha et visamvada signifie tromperie. Ringanam et skhalanam signifie ramper. Nidra shayanam swapah swapnah et samveshah signifie dormir. Tandri pramila prakutir bhrukutir bhrukutistriyam adrishtisyada somyekshni samsiddhi prakriti tvime. Tandri et pramila signifie somnolence. Bhrukutihi et bhrukutihi signifie rougir. Adrishtihi signifie aveuglement. Samsiddhi et prakriti signifie l'état naturel ou la condition naturelle de quelque chose. Par exemple, ça peut être la condition naturelle d'une plante ou d'un animal. Swarupancha swabhavascha nisargascha thave pathuhu kampothakshana uddharsho maha uddhava utsavaha. Swarupam, Swabhavah et Nisargah signifient également l'état naturel ou la condition naturelle de quelque chose. Vepatuhu et Kampah signifient trembler. Kshanah, Uddharshah, Mahah, Uddhavah et Utsavah signifient festival. Iti Natya Vargah. Cool! On a fini Natya Vargah. Ce Varga avait 38 versets. Ce varga était aussi le 7e varga de Saradi Kanda, le 1er Kanda. Au prochain épisode, on va continuer avec Patalabhuti Varga, le 8e varga de Saradi Kanda. Merci d'avoir regardé Natya Vargaha. Namaste. Dhanyavadaha.